Cat in the Box, c'est le jeu qui va vous rendre complètement fou. Juste un petit aperçu, regardez la carte. Elle n'a aucune couleur. Le jeu s'appelle Cat in the Box, une référence bien sûr à l'expérience de Schrödinger. Exactement, donc cette carte, tant qu'elle n'est pas jouée, elle a toutes les couleurs possibles, d'accord? On joue à 3, donc on n'a que des cartes de 1 à 6. Ça marche? Comment on joue? D'abord, on va observer son jeu, on va parier sur le nombre de plis qu'on va faire. On est contraint, à 3 joueurs, on ne peut répondre que 1, 3 ou 4 plis. Je suis le premier joueur, je vais parier en premier, et je vais parier sur le fait que je fais 3 plis. Kensia. Je vais parier sur le fait que j'en fais 1. Moi, je vais parier sur le fait que j'en fais 4. Ok, je suis toujours le premier joueur. Comment je joue? Je vais jouer une carte. Et je vais dire, attention, je vais jouer un 3. Et je veux dire que c'est un 3 bleu. Je prends un de mes pions pour dire que le 3 bleu a été joué, c'est-à-dire que mes camarades ne peuvent plus jouer de 3 bleus. Le 3 bleu existe maintenant. Eh bien, je vais jouer le 1 bleu également. C'est un bleu, donc pour l'instant, je mène. Eh bien, moi, je vais jouer le 2 bleu également. Le 2 bleu, donc impeccable. Je m'empare du pli. Ça me fait mon premier pli sur les 3. Bien, bien, bien. Intéressant tout ça, intéressant tout ça. Donc, je vais jouer une carte, ma première couleur de référence, et je vais jouer un 5 bleu. Un 6 jaune. Donc tu vas te défausser. Hein. Oui. Attention, si tu défausses, c'est moi qui gagne le pli. Hein. Oui, tout à fait. C'est rouge de manque. Ouais, d'accord. C'est bon. Un 6 jaune. Eh bien, moi, je vais jouer le 6 bleu. Le 6 bleu. D'accord. Donc tu m'as eu. Donc c'est toi qui récupères le pli et c'est toi qui récupères la main. Que veux-tu jouer? Je vais jouer un 3 rouge. Un 3 rouge. Ah là là, malheureusement, en rouge, je n'ai que le 1. Voilà, on est à la fin de jeu. Malheureusement, à un moment, je n'ai pas pu jouer, donc j'ai créé un paradoxe. Donc, quand on crée un paradoxe, malheureusement, je perds un point par pli. Voilà, donc vu que j'ai créé un paradoxe, à un moment, j'étais bloqué, je pouvais pas jouer de cartes, ça me fait moins 2. Toi? J'ai mes 4 plis. T'as tes 4 plis, donc tu marques 4 points. 4 points, Kensia. Et moi, j'en ai... Ah oui, j'avais voté 1. Rappelez-vous, je n'ai pas triché. Donc, 1 point. Super. Si vous marquez des points, en plus, vous allez avoir un bonus, parce que votre score est réussi. Et votre bonus, c'est le maximum de pions côte à côte. Donc par exemple, Martin, tu as 3 violets côte à côte, donc tu vas marquer un bonus de 3 points, donc tu vas marquer 7 points. Kensia, t'as un peu moins bien joué, en même temps, je te l'avais pas dit. Non, t'en as 3 ici, côte à côte, donc ça fait aussi un bonus de 3 points. Et on enchaîne les parties. Alors là, autant vous dire que quand on a essayé juste avant, on faisait que des paradoxes temporels. Et là, on s'est un peu amélioré. Vous risquez de pas mal vous faire piéger. Le jeu est extraordinaire de possibilités, extraordinaire de casse-tête. Par contre, on vous conseille vraiment d'aller voir une vidéo règles, peut-être un peu plus complète que la nôtre, parce que la rédaction des règles, hein, c'est pareil. Voilà, voilà, voilà. Ok, ça marche? Allez. Bah ouais. On leur dit miaou et on passe à autre chose? Bah ouais. Miaou. Allez. Miaou. Franchement, on avait dit Cat in the Box, pas Olympe in the Box.